Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une story de Steve Bo qui est parti au ski à Val Thorens. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Non, carrément encore. Incroyable. Joyeux Noël aux chrétiens. Nous on fait pas Noël, mais voilà, Inch'Allah, s'il y a quelqu'un qui est là, qui fait un repas de Noël, s'il peut ramener un petit saumon pour moi et mon frère. On a des petites tartines. On pète la dalle, il n'y a rien à manger ici. Voilà, on va dans un restaurant, ça nous dit, alors non, il est complet. Il est complet. Voilà. De la place à fond dans le restaurant. Non, il est complet, là. Désolé, il fallait réserver au téléphone. Donc, Inch'Allah, là, s'il y a des gens par ici qui font des repas de Noël, hein, je sais pas, disait, oh le big, ça m'a coupé, il te faut quoi, un saumon? Tiens, mon frère, viens, on descend, je sais pas, un petit truc de. Voilà. Ah là là, nous, pour l'Aïd, on vous donne des. Wesh, les frères. Je sais pas, repas de Noël, invitez le big. Loïc. Merry Christmas, hein. Voilà, Merry Christmas, ami. Merry Christmas. Oh, on l'a écouté ce son, Aïchi, comment c'est trop. Écoutez. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour, c'est qui? C'est donc toi qui es rentré dans ma voiture? Hein? Bon, tu as laissé ton numéro sur ma voiture? Quelle voiture, là? Je suis sur la con, là, parle bien avec ta bouche de merde, là, voilà. C'est toi qui as rayé le côté droit de ma caisse et cassé mon rétro? Quoi? C'est quoi ton assurance? Allô? Vous m'entendez? Bah ouais, je t'entends, là. Qu'est-ce que tu racontes, là, voilà? Eh mec, ne mens pas, là. C'est qui, là? Allez, lis ta mère, là, qu'est-ce que tu veux, là, voilà. Alors, pourquoi tu as laissé ton numéro? Allez, va niquer ta mère, arrête de rigoler. Vas-y, c'est pas le bon numéro. Voilà, hier, on s'embrouillait avec les pisteurs. Ils sont venus à 15, il y en a, il est arrivé comme ça, voilà. Ils sont où les virulents? Ils sont où les virulents? Voilà, il avait une belle comme ça. Il a dit quoi? Ils sont où les virulents? Tiens, arrête, tu vas prendre à gauche-droite, là, tu vas tomber avec ta pelle. Putain, ça va border! Alors là, ça va border! Après, il y en a un, il m'a dit quoi? On t'a pas dit? Le casque, c'est là? Voilà, il y a que des blagueurs dans cette piste, là. Bon, là, vous connais, nous, les lunettes sur le côté, en mode berre. Long. Il a dit quoi? On vous a pas dit les gars? Il a dit quoi? Le masque, je sais pas ce qu'il a dit, c'est là les lunettes là. Bah. Ça voulait et lui on lui a dit quoi? On t'a pas dit? Heureusement que t'as le casque, hein, parce que je t'aurais mis une de ces patates, tu serais solé. Ah, envoie-lui une patate. Ça va passer, on va le faire.
Voilà, après ma chute, plus de pouces pour le Big. Ils sont là, les Rois de Valence. Hein. Ah oui, il est là, ma main. Tout en blanc, son corps, il y a de l'hôpital. Il est là, ma main. Ah oui, mon gars! Fin du séjour, on se casse. Bon, là, c'était des belles rencontres, hein, on a fait. Coucou, jeune homme, comment tu vas? Ça va, non, super. Bon, la bonne rencontre, hein, sur le coran des gens de Valence, Lyon. Bon, la force, les frères, vous êtes des putains de bons. On a bien rigolé. Et on se dit à une prochaine. Ce qu'il fait, ce gars, vas-y, vas-y, bon, là. Vous connaissez le Big, hein, quand il aime bien un son, il le met 600 fois. Samy, qu'est-ce que t'en penses? Ah là, trop fort cette image-là. Ah, il a pas mis de gants. Ah ouais. Ouais, il a pas mis de gants, c'est peut-être... S'il avait mis les gants, voilà, ça fait une protection en plus. Ça fait une protection en plus. Et voilà, c'était la story de Sifbu, le Chegay du 6-9. Donc voilà, c'était la story de Sifbu qui est parti à Val Thorens. Val Thorens, c'est plus vers le nord des Alpes. Plus vers le nord des Alpes. Il y a, comment il s'appelle, Mohamed Deni, lui, il est allé à, que je dis pas de conneries, que je dis pas de conneries, bah, à Courchevel tout simplement. Moi, là où j'étais, c'est Isola 2000, c'est plus dans le sud, dans l'arrière-pays niçois. Isola 2000 et Gréolière-les-Neiges, c'est pas du tout connu, il y a 2-3 pistes, c'est vraiment une mini station de ski qui est juste derrière Grasse. Voilà, Grasse, la capitale du parfum du 06. Donc voilà, Sifbu. Qui est footballeur, qui a été footballeur professionnel, qui espérons-le va retrouver un club, voilà, pour nous divertir avec ses dribbling, avec ses dribbles, et humoriste aussi sur Snap, voilà, faire le con, tout ça, carrément, qu'est-ce qu'il a dit, les gens virulents, voilà, des gens virulents, voilà, après il gueule beaucoup, mais bon, il est pas méchant, il est pas mauvais, je pense pas. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Tchuss.